Lundi soir, France 2 s'est ici en tête des audiences, avec la suite de la saison 5 de la série américaine Major Crime, avec Mary McDonnell. Les deux épisodes inédits de la soirée qui étaient suivis de deux rediffusions ont rassemblé 2,8 millions de fidèles en moyenne, soit 14,5% du public. Après son lancement en hausse la semaine dernière, Major Crime perd 208,000 curieux, mais reste stable en PDA. TF1 est deuxième, avec le documentaire inédit 15 juillet 2018, La France en bleu, venu remplacer les rediffusions de la série américaine Esprit criminel. Ce retour sur le jour de la finale de la Coupe du Monde a intéressé 2,3 millions de Français en moyenne sur les deux parties. La part de marché atteint 12,7% sur les individus de 4 ans et plus. M6 suit avec la comédie française en rediffusion, Le Gendarme et les extraterrestres. Ce long métrage de Jean Giraud, avec Louis de Funès et Michel Galabru, a réuni 2,1 millions de cinéphiles. La part de marché s'élève à 11,4% sur les individus de 4 ans et plus et à 14,5% sur les ménagères de moins de 50 ans. Il y a deux semaines, la rediffusion en prime time du Gendarme de Saint-Tropez avait séduit 2,6 millions de personnes, 13,8% de PDA, tandis que celle du Gendarme se marie, la semaine dernière, a pu compter sur 2,2 millions de fans, 11,2% de PDA. France 3 est au pied du podium, avec Le Policier français en rediffusion Le Professionnel. Ce long métrage de Georges Lautenay, avec Jean-Paul Belmondo, a convaincu 2,1 millions de téléspectateurs, soit 11,3% du public de 4 ans et plus et 5,4% des FRDA 50. Du côté des autres chaînes, TMC, Domino, avec le film d'action français en rediffusion L'Argo Wash. Ce long métrage de Jérôme Salle avec Thomas Sisley, Christine Scott Thomas et Mickey Manojulovic a rassemblé 817. téléspectateurs, soit 4,3% du public. La semaine dernière, la rediffusion de L'Argo Wash 2 avait rassemblé 872. Français, 4,6% de PDA. À noter que, sur W9, la suite de l'émission de rencontre, L'Amour par défaut, produite par Studio 89, a réuni 502. Personnes, soit 2,7% du public et 5,9% des FRDA 50. Après son lancement décevant, L'Amour par défaut.